manifester contre les mesures sanitaires qui sont trop abusives. Il n'y a pas de libre choix. C'est imposer des choses et non demander aux gens de choisir. On est dans un pays démocratique. On n'est pas en dictature. Donc, on ne peut pas dire menacer, exemple, les travailleurs de la santé, que s'ils ne se font pas vacciner, sont mis dehors sans solde. Ça ne se fait pas. Ils doivent leur poser la question et c'est à eux de décider. Comme ça, pour à peu près tous les travaux. Fait que les manifestations présentes sont anti-mesures sanitaires qui n'ont pas lieu d'être. L'urgence sanitaire n'a pas lieu d'être. On n'est pas en urgence présentement. Si on serait en urgence pendant une pleine pandémie, pensez-vous qu'on mettrait à la porte 20 000 infirmières? C'est impossible. Donc, c'est avoué qu'il n'y a pas de pandémie, de pouvoir mettre ceux qui peuvent nous aider. Le ministre Legault a dit, premier ministre, on va l'appeler, a dit, moi, si je me retrouve à l'hôpital, puis un infirmier non vacciné qui vient de soigner, je ne me ferai pas soigner. Bien, on lui souhaite bonne chance. C'est bien parfait. Moi, je vais prendre n'importe qui veut me soigner. La liberté d'expression, c'est une arme pacifique. C'est ça qu'on utilise. Dans nos manifs, moi, je représente GoManif, qui fait les pancartes qu'il fournit dans toutes les manifestations. Donc, c'est le travail qu'on a ici, par des pancartes. Ici, on regarde ça, puis je sais pas nos enfants. Vous savez que la primauté parentale, ils veulent l'abolir, là, cet automne. C'est un projet de loi hypocrite. Legault, en disant qu'il va donner plus de force à la DPJ, dit qu'il va abolir la primauté parentale. La DPJ a toute la force qu'elle veut. Sauf que quand c'est rendu, c'est quoi aboler la primauté parentale? C'est d'enlever le lien de sang d'une maman avec son enfant, d'un papa avec son enfant. Présentement, pour une sortie, aller au zoo, à l'école, le parent doit signer le billet de sortie. Quand il va abolir la primauté parentale, vous ne décidez plus rien. L'État décide. S'il décide la vaccination se fait obligatoire dans les écoles pour les enfants de 5 à 12 ans, il le fait. L'enfant va arriver à la maison et va dire « on m'a vacciné aujourd'hui ». Le parent, il n'a même pas un mot à dire. C'est ça la primauté parentale. Il ne faut pas abolir ça. Allô la police, on voit la petite fille, aidez-moi, sauvez-moi du délire de Legault. Parce que vous voyez vacciner tous les enfants de 5 ans, 12 ans en octobre-novembre, puis en janvier, les 0 à 12 ans, ceux qui ne seront pas faits, quand il n'y a aucun statistique d'une SPQ, l'Institution nationale de la santé du Québec, qui dit que les enfants sont porteurs puis que les enfants sont malades. C'est zéro cas. Donc, pourquoi faire une campagne de vaccination débile pour des enfants qui ne sont pas touchés? Donc, c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour bloquer tous ces délires-là de pouvoir. Qu'est-ce qu'il a voté comme loi? 50 mètres d'une école, l'autre bord de la rue, on est plus de 50 mètres ici. Donc, l'école, l'autre bord de la rue, j'ai le droit de manifester ici. Ça ne change absolument rien. Maintenant, de dire que c'est une menace envers les enfants, que quelqu'un dit à l'enfant, fais-toi pas vacciner, demande à ton parent qui s'informe qu'il est sur le SPQ, qu'il est sur Santé Canada, qu'il est sur les sites gouvernementaux, qu'il voit qu'il n'y a pas plus de morts que les années précédentes, que la grippe a disparu après 70 ans, ils ont même été capables de la faire disparaître, tout d'un coup, tu coules du nez, test. Voyons, non, tu coules du nez. Avant, tu te mouchais, puis c'était ça. Les enfants, t'as pas testé. Là, il fait des tests dans les écoles. Un test positif, il vide la classe. Il fait le tour, il vide l'école. Combien qu'il y a d'écoles de fermées présentement? Combien qu'il y a d'urgences de fermées présentement? C'est tout par des décrets abusifs. Fait que, qu'est-ce qui abuse les enfants présentement? Porter le masque contre leur volonté. Étouffer, pas pouvoir faire du sport. Être vacciné bientôt. Arrêtez de faire des campagnes de vaccination. Ça, c'est menacer. Menacer les travailleurs de la santé, s'ils ne font pas leur vaccination, pas pour un code QR, on les met à la porte sans sol. Ce sont des menaces, de la discrimination, de la pression. Demandez à quelqu'un, un patron, de faire ça envers ses employés, il se fait poursuivre. Il faudrait commencer à poursuivre le gouvernement d'aplomb, les entrepreneurs, les compagnies, les syndicats. Commencez donc à dire... C'est assez, Legault. T'as pas le droit de faire tout ça. La charte et liberté canadienne ou québécoise ou les droits de l'homme, bannis ça. La charte est faite pour protéger les individus, une population, contre les abus de pouvoir politique.